Cher Howardington, chaque année, le tournoi de rugby à 7 qui porte votre nom prend du galon côté organisation et côté rugby, l'esprit reste intact. Toutes les familles de la planète rugby étaient réunies et parmi elles, il y avait aussi le Racing. Sur le terrain et hors du terrain, il y avait aussi la fougue de la jeunesse. Une bonne équipe, la binouze à la main. Et on y va, franchement, ce qu'on cherche, c'est la défense! Et surtout avec modération, surtout. C'est le plus important, c'est ça. Tout à fait, Thierry. Le rugbyman est donc un homme libre, à la parole libre. Petit tour d'horizon, ce coup-ci, côté vieux crampons. Déjà, le mot crampon, j'aime pas. Bon, vieux, à la limite, les crampons, non. Surtout, le drame du vieux crampon, il est surtout dans les genoux et dans les articulations. Tu as déjà un trophée, Denis, je crois. Ouais, j'ai un trophée. Le trophée du pavé d'or, j'ai le pavé d'or de Doré. La quadrilla, c'était un rugby à 7 avec des anciens. Et maintenant, ce qui est bien, c'est le regard collectif et l'amitié qui prime vraiment. Quoi. Maintenant, le rugby d'aujourd'hui, on est quand même complètement à la rue parce que les règles ont changé, ont énormément changé. Et nous, maintenant, ce qu'on recherche, c'est plutôt un peu la convivialité plutôt qu'autre chose. Sur les tablettes restent les Parisiens de Massy, les touristes de Saint-Pierre chez les féminines. Cher Howardington, bien à vous.